Alors, nous sommes le dimanche 22, si je ne me trompe. Et cette petite vidéo, oui, il y a du vent. Ah, il y a du vent ce matin. Cette petite vidéo pour vous informer que je serai moins sur YouTube, en tout cas sur cette chaîne. Parce que, alors, premièrement, là, je suis en pleine crise de fibromyalgie. D'ailleurs, entre parenthèses, si vous voulez. Si vous avez besoin de CBD ou n'importe, je vous mets en dessous le lien de la personne qui m'en fournit. Et franchement, heureusement que c'est là parce que je ne sais pas comment je ferais autrement. J'ai même du mal à tenir mon téléphone, c'est vous dire. Ça, c'était la petite aparté. Alors, pourquoi je reviens moins souvent? Premièrement, parce que je crois que j'ai fait le tour. J'ai dit tout ce qu'il y avait à dire. Maintenant, c'est à vous de faire vos recherches, de comprendre de ce qui se passe. Et si vous en avez envie, si vous en avez besoin, si vous sentez que le moment est venu pour vous de changer, ben, je vous donne quelques astuces. Je vous dis aussi ce qui va, ce qui ne va pas. Je vous laisse réfléchir, donc je viendrai un peu moins souvent sur cette chaîne. Deuxièmement, j'ai décidé de reprendre l'écriture, mais pas comme avant. Je reprends l'écriture, mais sur des thèmes importants qui ont plus ou moins des relations avec les vidéos. Mais ça sera des livres vraiment très différents. Troisièmement, du fait que j'ai mal partout et tout, j'ai besoin de me changer d'idée, de me reposer un peu de tout ça et de revenir vers l'essentiel, c'est-à-dire la famille. Les amis, ce qui est le plus important, parce que vu le nombre de personnes dans ma famille qui sont atteintes de maladies graves, curables, si c'est pas trop tard, mais graves, et vu le nombre de personnes qui sont décédées aussi, j'ai besoin de faire le point sur tout ça. J'ai besoin de réaliser certaines choses, de prendre conscience d'autres choses. Alors j'ai deux petits apartés. Le premier revient à la vidéo que je vous ai fait l'autre fois en parlant de la grève, pourquoi faire. Malheureusement, je ne me suis pas trompée. Hein. Je vous ai dit qu'à un moment donné, ils lâcheront du lest parce que forcément, c'est Noël, hein, on va lâcher du lest, hein, on va pas, on va faire mentir les résistants et on va leur montrer qu'ils avaient tort. Au final, on vous l'avait dit, du moins je vous en ai parlé. Je vous ai dit qu'ils allaient faire un geste et qu'ils allaient lâcher du lest. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont permis aux enfants qui étaient loin d'aller passer Noël en famille grâce à des TGV exprès mis à leur disposition et qui ne fonctionneraient que pour eux. Donc là, c'est voilà, ça c'est là, le lest qu'ils vous ont laissé. Pour vous calmer pendant les vacances de Noël, de façon à ce que vous passiez des vacances tranquilles, sympas, pendant que eux, ils se barrent ailleurs, hein, parce que c'est tellement la merde en France qu'ils préfèrent aller passer Noël ailleurs. Hein. Quelque part, je les comprends, mais c'est un peu de leur faute aussi, donc voilà. Le deuxième aparté, je l'ai oublié. Je ne sais plus de quoi je voulais vous parler. C'était important, mais j'ai oublié. Donc, ça en reviendra peut-être d'ici la fin de cette vidéo. Donc voilà, je prends du recul. De toute façon, on a beau se battre, les gens, ils en font qu'à leur tête. Continuez à en faire qu'à votre tête, faites donc comme ça vous arrange. Moi, en ce moment, je suis plus en état de. Je suis pas en état, ça ne reviendra. Hein.
Mais pour l'instant, je ne suis pas en état de continuer à faire un travail qui me prend trop de temps pour rien, en fait. Je reviendrai, je referai des vidéos quand j'en aurai, on me dira d'en faire, on me proposera d'en faire, on me donnera des sujets ou on m'enverra des messages pour me dire écoute, il y a ça ou ça. En attendant, bah, je vais prendre le large, je vais plus m'occuper de mon livre qui est important, de ma famille et de tout le reste. Voilà, bah écoutez, en attendant une prochaine vidéo que je ne sais pas quand, je vous souhaite une bonne journée de dimanche si vous avez le soleil. Sinon, bah, c'est pas grave, hein, il est juste au-dessus des nuages, hein, il n'est pas loin. Et prenez soin de vous, portez-vous bien et à une prochaine fois. Et si je ne vous pas, je vois pas d'ici là, assez de bonnes bonne fêtes, pardon. De bonnes fêtes de fin d'année. Allez, à bientôt. Bye.